Salut tout le monde, c'est DinoLiver 59, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la guerre du Nord. Donc, on était encore au chapitre 1, donc partie 17. Donc, on est parti avec Pharin, en mode légendaire, évidemment. Je crois que je vais vraiment chier pour la suite. Pour le reste, à mon avis, je vais vraiment chier. Si déjà là je galère, parce que je sais pas, pour ceux qui ont vu la partie 2, j'ai bien galéré hein, au début. Donc, faut que je vois. Sinon, bah là je commence à avoir un petit problème avec mon compte de Xbox. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé en fait. Il me dit que le mot de passe ou la messagerie est incorrect. Enfin, le mot de passe ou l'adresse de messagerie est incorrect. Et pourtant, bah, comme vous pouvez le voir, je suis connecté sur le Xbox Live. Donc, c'est un petit peu débile. Et hop, j'ai loupé. Leurs archers sont là-haut. Bon. Donc bah je ne sais pas ce qui se passe. Apparemment c'est par rapport à la sécurité, mais je vois pas trop pourquoi il me dit ça. Peut-être pour le fait que je me suis connecté sur une autre console avec mon personnage quoi. C'est peut-être, enfin c'est un petit peu débile je trouve. Mais enfin bon. On va essayer de comment, enfin, d'aller vite, parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, je comptais faire ben, 3 parties par chapitre maximum. Et toi, tu dégages vite fait, bien fait. Y a un levier là-bas. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ah, pas mal. Donc. On va essayer de prendre un petit peu de pognon parce que j'ai que dalle. Non, je déconne. Bon, j'ai reçu un arc. Je suppose que je vais le donner au ranger s'il a rien. Enfin, j'ai eu 2 boucliers de 7 de volonté, 52 santé et usure réduite de 300%. Ça fait mal. Allez hop, on ouvre ça. C'était quoi ça? Bon, je vais vendre des trucs qui me servent à rien, genre ça, bah. Ça me sert à rien. Ou genre ça, ça, et ça, ça. Le mirivore, je vais le garder parce que je crois que je vais en avoir besoin. Le mirivore, c'est quand même un truc bien pratique. Oh, ils nous ont enfermés entre deux portes. Oh bah, c'est ballot. Tiens, dégage. Dégagez, bande de merde. Cognon merda. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Bim. Ils ont une armure de béton les gars ou quoi? J'ai l'impression que je leur fais rien. Avant je leur faisais quand j'étais pas en légendaire, je leur faisais du 5000 minimum.
C'est au moins du 5000, ouais. T'inquiète pas. Nous avons besoin de vous. Retournons à l'action. Ils attaquent de tous les côtés. Dégage. Mais faut pas me faire chier hein, ces mecs là. Hop, dégage. Mode gros bourrin. C'est bon. Allez, continue d'en arriver ou quoi? Tiens, dégage. Le mec il est tout seul mais je m'en tape. Oh putain. Du savoir. Nous avons besoin de vous. Relevez-vous. Nous avons besoin de votre aide. J'étais certaine que j'allais mourir. Je suis heureuse d'avoir eu tort. Dégagez. J'apprécie beaucoup votre geste. Mais faites pas chier. Je vais bientôt mourir. Le roger est tombé. Aidez-le. Oh putain. Résistons. Toi, fais pas chier. Aidez notre ami. Vite, oh. Laissez-moi. Vite, 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 vite. Ah, n'empêche, c'est bien pratique ça. Beach. Ils arrivent toujours à la fin, eux. Hein. C'est bien des elfes. Ouais, ouais, vas-y, ouf. Putain. Le monde ici.
Je suppose que ça s'ouvre. Ouais, voilà. Ça s'ouvre quand il n'y avait personne. Oh! Et une tête en moins. Une! Voilà, ça c'est fait. On va se retrouver à la citadelle. Donc ouais, je pense que aller jusqu'à Tarzog là, dans cet épisode, parce que bon, sinon après ça ce sera trop long, je pense, comme walkthrough. Parce que dans les walkthroughs longs, bon, il y a, c'est vraiment Skyrim quoi. Celui-là, je pense qu'il fera pas plus de 20 épisodes maximum. Bon. Voilà la citadelle, juste devant. Nous n'y sommes pas encore. Ne vous éloignez pas. Il y a une arbalète montée là-bas. Ah. Comment ça, il peut pas atteindre lui. Putain, mais t'es sérieux? Il y en a d'autres près du mur. Oh oh. Et qui viennent? Moi je fais un tiers plusieurs victimes moi. Attention! Hop. Laissez-moi. Regardez, la porte s'ouvre. Dégage. Ça, c'est fait. Surtout pas taper ça, hein. Les cantelets. Ça, c'est pour lui. Ça, c'est pareil. Dans le mille. Ok. Laissez-moi passer. Ouh ho ho ho. Ils arrivent droit sur nous. Achevez-les. On entend à peine la pression des touches. Oh, oh, oh putain. Dégagé. J'aimerais que... Il s'en est fallu peu.
Approchez-vous, avant que la mort ne s'empare d'elle. Je croyais que les elfes bénéficiaient d'une longue vie. J'apprécie beaucoup. Oh, j'ai loupé. Dégage. Si tu te relèves, je te retue. Ça fait pas de frapper un ennemi au sol. Bah si, ça se fait. Ça se fait, la preuve, je l'ai fait. Anneau de grâce elfique. Les elfes peuvent être gracieux. Je ne le savais pas. Autant pour moi, les gars. Je sais pas. Voyons voir. Ouais. Non. Je vais rester comme ça. Le set de dextérité, je vais peut-être le donner à Andriel. Elle a pas grand-chose. Je suis sûr, quand je vais l'utiliser pour la deuxième... Quand je vais l'utiliser pour la deuxième... Enfin, le deuxième chapitre, à mon avis, elle va en chier. Parce que je l'ai quittée, elle était niveau 20. Alors c'est là que nous devons nous rendre. Donc, elle a un stuff assez moisi. Bah, un stuff de niveau facile, quoi. Donc bon, disons que c'est quand même... Pouvez-vous briser le sort ? Peut-être, mais il faudra du temps... Elle va en chier, quoi. Vous devriez commencer. Nous assurerons vos arrières. Ok. C'est dans ces moments-là que tu n'as pas envie d'être en légendaire. Parce que, bah justement, ils ont une barre de vie. Et si ça descend, bah... Si ça descend trop, bah c'est mort, quoi. Dégage. Ça va? Tu galères pas trop? Les elfes sont vulnérables. Dégage. Mais avant, comme j'ai dit, lui. Mais ces points là-dedans qu'il y en a besoin. J'avais dit que je mettais dans quoi son augmente la portée, je crois. De toute façon, il n'y a rien d'autre pour lui. C'est mort! Ça va, je m'en sors pas trop bien. Je m'en sors pas trop mal plutôt. Il y en a déjà d'autres. Protégez les elfes. Repoussez cette vermine. Ah, 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 ah. C'est mort. On s'attaque pas à des plus petits que soi. Troll. J'ai loupé mon tir.
Voilà ce que j'en ai fait de ton troll, moi. Et Radan a monté d'un niveau. Bon, ils ont enlevé la barrière. Venez vite, les portes sont ouvertes. Bientôt, on va battre Tarzog. Mes amis, je ne peux pas vous suivre au sein de ces étroits couloirs. Allez-vous rentrer chez vous, Beleram ? Non, jeune dame. Ce serait déloyal de ma part de vous quitter alors que la vie de mes amis est en danger. J'attendrai votre retour. Il se peut que je puisse empêcher des renforts de vous suivre jusqu'à la tour. Nous ferions mieux de nous dépêcher. Les elfes prennent de l'avance. Que la bonne fortune soit avec vous tous. Ouais. Ça marche. Bon. Allons-y. Mais d'abord, si je connais bien le jeu, il y a un vendeur, donc on va aller faire des petites emplettes. Et aller réparer notre armure. Surtout. C'est surtout réparer notre armure, en fait. Histoire qu'on soit vraiment d'attaque pour Tarzog. Nous avons atteint la citadelle. J'ai envie de dire qu'on a été une assez bonne distraction. Hop. Avancez prudemment. Joyeux saut. Nous n'avons aucune idée de ce que nous allons trouver. Voyons voir ce qu'ils ont. Nul. Ouais, pas mal. Carrément. Pas mal. Non. Non. Et non. Donc à vendre, j'ai quoi? Genre, je vais garder celui-là. Et ça qui me sert à rien. C'est dommage parce que ça, les drives de Burry, elles sont bien quoi. Autant ça, je pense pas que j'en ai beaucoup besoin, les potions de puissance. Par contre, les potions de santé, ça je pense que je vais les garder. J'ai bien fait de les garder en fait, hein, parce que ça m'a bien servi quand même. Bon, donc, on va réparer notre armure. Je vais peut-être faire aller. Oui. Moi, je suis bien réveillé aujourd'hui. Je vais peut-être aller voir ce que l'autre il a à vendre. Si jamais il a quelque chose de bien. En général, c'est pas le cas, mais bon. On peut toujours essayer. On peut toujours essayer, donc, j'essaye. Ça coûte rien de regarder. Il faudra que je regarde en fait. Oh putain! C'est quoi cette hache là à la bourrin? Dommage que le truc est si faible. Ouais, non, ça je garde. Bon, bah ça je garde. Ça je garde. Ah, en fait, il n'y a que les jambières hein, qui sont pas. Il n'y a que les jambières qui sont pas vraiment super bonnes. Dans ces cas-là. Tout ce qu'on fait, c'est préparer. Mais ça coûte bonbon hein, quand même. Les réparations, elles coûtent vraiment cher. C'est quand tu vois que au début, t'es en facile, tranquille. Ça te coûte même pas. Allez, à tout casser, peut-être plus cher, ça te coûterait 100 pièces d'or.
Là, si ça te coûte 100 pièces d'or, t'es heureux, quoi. Parce qu'en général, ça coûte plutôt dans les 2000 pièces d'or. Quand même. Enfin bon. Allez, c'est Nous avons atteint parti. la citadelle. J'ai envie de dire qu'on a été une assez bonne Hop, distraction. juste je fais ça. Avancez prudemment. Nous n'avons aucune idée de ce que nous allons trouver. C'est quoi ça? Ouais, je m'en fous. Et ça, c'est quoi? Un truc à revendre. Allez, on y va. Comment ça, je les ai pas suivis? Mais si, je les ai suivis. J'ai juste pris un chemin, un autre chemin. Allez. C'est le moment d'affronter Darzog. 26 minutes, ça va? J'aurais pensé que ce serait un petit peu plus long. On Laisse pourra pas peut-être fuir même là-bas. commencer Bienvenue, à mais j'ai avoir repéré l'aigle. le nouvel équipement pour Imbécile, Andriel. notre cachette va être dévoilée. C'est tout ce que savent faire vos larbins. Ce sont sûrement de grands guerriers. Ah, Tarzog, quand je ou pense des que. saletés de tarte. Ça m'était bien. Quand je l'avais fait direct en normal, Tuez-les, sans commencer en facile, ne les laissez pas j'avais s'enfuir. galéré pour le battre. On n'arrêtait pas de crever. Prévenez mes gardes et dépêchez-vous! Ah bah oui, ça c'est pas... Tenez bon, on arrive. Non, ne laissons pas à Gondor le temps de s'échapper. Allez, occupons-nous de ces gardes. Allez, on va s'occuper de ses gardes. T'inquiète pas, je m'occupe de lui, moi. Un chef des Et ordres je du l'ai loupé. programme. Chef, hein? Très bien, j'en ai marre de m'occuper seulement En de la mode guerre. plus gros boulet de la vie, c'est moi. Bim, allez hop, couché. Carrément. Je tiens à préciser que je ne suis pas un bourrin. C'est pas vrai. C'est juste la flèche explosive qui est super puissante. Sais, on va plus galérer à tuer les petits qu'à tuer le gros. Allez hop, voilà. Ça, c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Donc, en mode, je la, enfin, je veux dire en mode je tuage express de gros boss, bah Farin c'est le meilleur, hein. Mec, le mec c'est vas-y que je bute tout le monde en un seul coup. Allez, bim, couché. Je vais laisser le petit combat épique. Pourriez-vous fuir la terre Enfin, des épique. lieux avec vos semblables Surtout moche. tant que vous en aviez l'occasion. Nous ne fuyons devant rien, encore moins devant vous, laquais de Sauron. Imbécile, je suis le bras droit de Sauron. Je verrai votre précieuse foncombe brûler et votre bâtard de père ramper enchaîné. Vous ne ferez rien. J'adore comment il arrête la flèche quand même. Je viens seulement de commencer mon travail. Vous n'espérez tout de même pas avoir une chance de m'arrêter à deux. Ils ne sont pas seuls. Ne cherchez pas vos gardes. Ils ne viendront pas. Fornost n'a aucune valeur. Vous n'avez absolument rien gagné. Il s'échappe. Nous ne pouvons plus espérer le suivre. Moi, je peux. Et maintenant s'ensuit un combat épique. Très épique.
chancellerie de Sauron. Cette tempête est maléfique. Bref, c'était épique. Je ne le vois plus maintenant. C'est inutile. Il nous a échappé pour le moment. Ne vous en voulez pas. C'était courageux à vous de partir à sa recherche seul. Oui. Mais ce n'était peut-être pas la meilleure solution. Et maintenant ? Si seulement nous avions pu en finir avec ce serpent. J'ai l'impression qu'il ne restera pas tranquille longtemps. Et maintenant, où allons-nous ? En ce qui me concerne, j'aimerais partir à la recherche d'Agandor avec vous. Mais il me faut penser à mon devoir. Je dois retourner dans mes terres pour informer le seigneur Gwaihir de tout ce que j'ai appris ici. J'espère qu'on se reverra bientôt. Oui, votre devoir envers votre peuple est prioritaire. Ravi de vous avoir rencontré, Beleram. J'espère que nous nous reverrons un jour. Je l'espère aussi, Pharin des Rebords. Vous et vos compagnons m'avez sauvé la vie. Je ne l'oublierai pas. Si je peux vous rendre service à l'avenir, je le ferai. Bonne chance, où que vous alliez, Beleram. Jusqu'à ce que vos airs vous reçoivent à la fin du voyage. Je vous remercie. Présentez mes amitiés à Elrond, votre père. Je vous dis adieu. Ouais, et nous, on repart à pied, c'est ça? Quant à nous, je crois qu'il aurait au moins pu nous déposer quand même. Informer nos alliés de tout ce que nous avons appris. Nous devrions retourner au camp Ranger du Guet de Sarn. Albarad aura hâte d'entendre ce que nous avons à lui dire. Je suis d'accord, car pour ma part, je suis toujours sur les ordres d'Albarad. S'il s'avère qu'Albarad n'a pas besoin de vos services immédiatement, je vous incite à vous rendre également à Imladris. Nous aurons sûrement besoin de votre force. Très bien. De votre Nous ne l'oublions. Donc, le Guet de Sarn. Ouais, j'aurais peut-être dû changer de personnage, je suis con. Ça m'aurait évité de revenir à l'écran titre et faire changer de personnage. Prendre Andriel. Oui, accepter. Les fils d'Elrond et les compagnies errantes m'ont parlé de votre bravoure à Fornost. Des nouvelles d'Aragorn ? Avez-vous eu des nouvelles d'Aragorn ? Il cherchait désespérément un certain hobbit lorsque nous l'avons quitté à Bray. Tout ce que je sais... C'est qu'on dit qu'Aragorn a quitté Bray en compagnie de 4 hobbits de la comté. Je suppose que l'un d'eux est le hobbit qu'il cherchait et qu'il se dirige maintenant vers Foncombe. Oui, il y a de plus mauvaises nouvelles. La nuit précédant leur départ, l'auberge du Poney Fringant s'est fait attaquer par des assaillants. Il a peut-être besoin de notre aide. Ce n'est pas bon signe. Il a peut-être besoin de notre aide. C'est également ce que je pensais. Mais s'il est poursuivi... Aragorn s'arrangera pour brouiller les pistes. Même un traqueur aussi doué qu'Eradan aurait peu de chance de le trouver. Alors que devons-nous faire ? Que devrions-nous faire dans ce cas ? Je vous conseille de vous rendre à Foncombe. Aragorn sera impatient d'avoir des informations sur Agandor. Et il a sûrement d'autres tâches à vous confier. Bon bah ok, hein. Pour l'instant, Foncombe. Il semble s'être... Les fils de... Il y a peut-être quelque chose que vous pouvez faire pour moi en chemin. Vous n'avez qu'à nous dire quoi ? J'ai envoyé 2 de mes rangers, Kilaran et Luin, en patrouille le long de la rivière Brandvin. Ils auraient dû revenir il y a fort longtemps. Je suis de plus en plus inquiet à leur sujet. Ce sont tous deux des rangers expérimentés qui ont... Ah oui, c'est le truc des Galgal. De quelle direction vont-ils revenir ? Ils devaient... Les Galgal... Nous allons... Nous découvrirons. Je vous... C'est le truc des Galgal, il me semble. Donc ça va être aussi très drôle, tiens. Vous êtes blé. Bon, ça je le fais, mais c'est juste histoire de dire que je l'ai fait, quoi. Parce que c'est. Nous devrions. La télase doit. Ça te donne quand même un truc pas mal. Puis en plus, c'est sur le chemin, donc tu peux pas le louper. Hop. Donc. On va peut-être
Réparer. J'en ai pas besoin. Y a rien qui doit être réparé ou quoi? Hop, comme ça, il sauvegarde. Je vais pouvoir prendre Andriel. Enfin, quand je dis je vais pouvoir prendre Andriel, c'est pas dans la manière coquine, gamin. C'est juste à prendre Andriel en... Bon, je vais pas en dire plus parce que sinon il y en a qui vont se douter de choses. Esprit pervers comme vous êtes. Donc déjà avec elle, on va déjà directement augmenter les statistiques. Putain. Putain, le nombre de trucs. Au moins 1,42 m partout, je pense. Même 45 partout. Je pense que les derniers, je vais me mettre l'eau. Voilà. Allô. Il y a ça que je voulais prendre. Il y a ça qu'il faut que je peigne. Chaque coup fatal infligé avec deux. Ouais, pas mal ça. Voilà, je pense que comme ça c'est bien. Il y a comme ça, il y a comme ça, il y a comme ça. Bon. Bah déjà, on va revoir son stuff parce que vous allez bientôt repartir, n'est-ce pas? Elle doit avoir que de la merde. Autant que je revende tout, hein. À part ça, peut-être. Ça, je vais le garder. Ça, je peux revendre. Ça, c'est pareil, je peux revendre. Ça. Bah, de toute façon, à mon avis, je vais revendre. Hein. Oh putain, l'épée d'Angmir. Oh, oh. Je me souviens de cette épée. Oh, ça c'est pas mal ça, les grands bandeaux. Moi je peux avoir quelque chose dessus. Ça je revends. Et ça je revends. Elle est à poil, gamin. Acheter. Armée. Voilà. Je vais perdre je sais pas combien de thunes. Nécessite 46 de résistance. Foiré. Ouais, c'est vrai, elle est là. Pas besoin de ça.
Bâton. Putain. Il y a de ces bonnes armes quand même. Voilà, un bon bâton. Par contre, il n'y a aucune arme à une main. Merde. Putain. Je vais prendre celui-là parce que les autres, ils sont... Je vais prendre celui-là. Hop. Oh, à poil, gamine. Bon. Hop. Ouais, je pense que je vais prendre celui-là. Les bottes. Je vais prendre ça. Je mets ça, ça et ça. Voilà. Tu ressembles à une guerrière maintenant. Ça va faire mal. C'est dommage qu'elle a pas de... Elle a pas de bon, enfin, de truc. Elle a pas... des trucs non plus super bien, quoi. Enfin, ça, c'est pas mal, mais bon. Ça, c'est dommage que celui-là il soit si faible. Ça, c'est pareil, c'est dommage que la durabilité soit moisie. Enfin bon. On essaiera de faire avec. Donc bah cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Pensez à laisser un j'aime, à commenter la vidéo, à la partager. Ou à la mettre en favori aussi, ça me fera plaisir. Puis bah, si vous avez des suggestions sur le jeu, ou si vous voulez par exemple que je fasse, je sais pas moi, des trucs sur Skyrim en particulier, ou aussi que je fasse un zombie avec enfin en live avec des potes ou quoi que ce soit, moi il n'y a pas de souci, juste vous me le dites dans des commentaires, puis j'essaierai de le faire. Allez, je vous laisse, salut tout le monde.